Hey, salut à tous les petits potes, c'est Zanfil, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr, pour ce nouvel épisode. Il est actuellement 11h10, nous sommes le 22 novembre 2021. Je viens de recevoir tout fraîchement mon petit t-shirt du The Event 2021, justement. Et je vous propose tout de suite de tourner. Alors, la dernière fois, nous s'étions quittés, on était à Vestigion, je suis à la route 207 Charbourg. Je suis, voilà, au nord de Charbourg. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais reçu, vous vous souvenez, un petit j'avais reçu un petit, comment ça s'appelle, un petit Pokémon. Attendez, je crois qu'on peut faire un truc comme équipe, boîte, je crois. Ouais. Voilà, donc j'avais reçu un petit Kranidos en fossile, je l'ai fait éclore. Et je l'ai envoyé à Anarchy parce qu'il en avait besoin vu qu'il est sur Perle. Voilà. Et donc du coup, moi maintenant, hop, déplacer. C'est génial ça, en fait au final on a vraiment plus du tout besoin du PC. Et ça c'est assez cool d'aller en centre Pokémon pour ça en tout cas. Donc voilà, objectif du jour, ça va être de faire évoluer bien évidemment Lily en Roselia. C'est pour ça qu'il est 11h du matin. Parce que il faut qu'on le fasse évoluer, donc Mazel Tov. Alors je sais pas du tout à combien on est en XP avec ce Pokémon. On va regarder ça tout de suite. 971, très bien. Allez, écoutez, moi ce que je vous propose du coup, c'est de continuer l'aventure. Donc nous avons rendez-vous à Union Police. Hop, regardez, je vous montre la carte tout de suite. Voilà, donc j'ai fait exprès de descendre en fait la piste cyclable. Et on reviendra plus tard dès qu'on aura force pour récupérer Grignot. Voilà, ça pourra tout être utile. Donc là nous allons à Union Police. Hop, j'ai fait aussi un peu d'explore kit hier soir pour voir un peu ce que ça valait. Et c'est vraiment pas mal. Écoutez, je suis vraiment fan des grottes et tout. Bon, vous avez vu déjà hier, du coup, on a fait une partie comme ça. Mais on fera peut-être du multijoueur en explore kit avec Anarchy, justement. Pourquoi pas en profiter et s'amuser à deux, voire plus. Ça peut être vraiment intéressant. Allez, là donc du coup on se retrouve contre un Pachirisu et un Ponyta et on a Lily et Nougat. Alors comment vous dire, c'est la merde. On va envoyer Tiki, du coup je suis désolé Lily, mais ça va être compliqué, voilà. Et on va attaquer Ponyta avec Nougat. Ok, Tiki, transforme-toi. Ça c'est bon, Ponyta fait une micro-charge sur moi donc c'est parfait, j'ai bien anticipé. La vitesse augmente, et oui, forcément. Pachirisu qui utilise étincelle sur moi aussi. Là, ça fait plus de dégâts, forcément. On va utiliser étincelle. Ok. Ça, c'est parfait. Du coup, on lui a réduit finalement sa vitesse. Et ça, c'est cool. Allez, on va faire super. On va faire un bulle d'eau. Et ensuite, on va attaquer sur une morsure sur Pachirisu. Oula, oula, oula. Oui. Super, oui, coup critique, oui, je l'ai senti. En effet. En effet, j'ai senti le coup critique. Ça fait des dégâts, en effet. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ok, le Ponyta est KO. Tiki passe le niveau 24. Ça, c'est cool. Non, pas de vantardise. Gardez les anciennes capacités. On va changer de Pokémon, du coup. On va remettre Lily. Et Nougat va nous faire encore une fois une attaque morsure sur Pachirisu. Allez, c'est parti. Et vous, quelle est votre équipe au fait aujourd'hui, en ce moment même? Quelle est votre équipe de votre team de Pokémon pour jouer justement à ce nouvel opus? Vous avez une team plutôt aventure? Est-ce que vous avez plutôt une team strat? N'hésitez pas. Et il est mort du poison, parfait. Ah, presque le nouveau niveau pour ce bouton. On a perdu, oui. Ouais, ouais. Alors on va faire un petit vite fait. Non, attendez, je crois que j'ai de quoi soigner les Pokémon. Oui, j'ai de quoi. Après Lily, ça va le faire. Je crois qu'on passe par une grotte, justement, juste après. Donc, à la limite, j'ai utilisé une potion pour rien. Mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est bon. Allez. Et on a une super potion, bah parfait, écoutez. Là on a un montagnard, bah, on va profiter du montagnard, voilà c'est ce que je vous disais, il y avait une grotte, hein, bien sûr, on traverse le mont Couronné.
On va profiter du montagnard pour démonter ces Pokémon. J'espère qu'ils sont roche. Pas des Machoke, s'il vous plaît. Rakaio, parfait. Cédric, le montagnard. Oversetchi. Allez, Lily, on a confiance en toi. Fais-nous un petit Volvi des familles. Je suppose qu'il doit avoir fermeté. Ah, pas du tout. Très bien. C'est super efficace. Le Rakaio est KO. Parfait. J'espère qu'il va vraiment pouvoir évoluer dans cet épisode-là ou dans le prochain. Vu que je tourne de journée cette fois et pas de nuit. Sauf qu'il s'est passé 6 heures à peu près entre les deux épisodes du coup. Enfin, l'épisode précédent et celui-là. Alors, Archéomir, c'est plus compliqué puisqu'il est de type acier. Donc, on va faire un parasport. Pas sûr que ça fonctionne. Ouais. Giro Ball à nouveau. Le problème c'est qu'il est type acier que j'ai pas de Pokémon pour contrer ça. Équipe. C'est pas grave, on va envoyer Chiki, on va envoyer Nouga du coup au combat. Allez. Il nous fait Giro Ball. Parfait, c'est pas très efficace. Et oui forcément. Étincelle. Archimir qui utilise Onde Folie. Allez, Yuxio, enfin Nouga, va falloir que tu puisses attaquer. Hein. Hop. Allez, s'il te plaît. Ah, oh, dommage. Oula, oula, oula. Ah oui, quand même. Il nous fait choc mental, très bien. Allez. Même parce qu'il a que des attaques qui peuvent me... Enfin, en dehors de Giro Ball. Oh, dommage. Ça va être compliqué là. Choc mental. En fait, il peut me rendre confus avec choc mental et il peut me rendre confus avec Onde Folie. Insupportable. Yes. C'est bon. On attaque, on le tue. Parfait. Et Lily qui passe le niveau 23. Quête le niveau 20. C'est cool. On a battu Cédric. Ah non, il évolue pas. On doit vraiment être pas très bon au niveau du bonheur, hélas. Je sais plus quoi faire. Parce qu'il est niveau 23 et ça serait bien que je le... Que je puisse le faire évoluer, quoi. Apparemment, ça n'a pas suffi. Chose que je peux totalement comprendre, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah! Une théorie voudrait que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu. Je ne parle pas des combats Pokémon, mais des conflits de l'âme, des émotions. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. C'est drôle, c'est ce que tu es en train de faire. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Ok. Allez, on va utiliser Éclat Rock. Nous, on va aller à Union Podius, donc j'imagine que c'est tout droit. Il doit y avoir très peu de remontées. Ok, donc c'est bien par là. Parfait. Petit combat. On va essayer de... Ah, dommage. Niveau combien? 14, 15, non. Ah, peut-être plus. 15, 17, je pense. 16, ouais c'est ça. Allez, Volvi. C'est compliqué d'avoir un Roselia, j'ai l'impression. Ils ont des tas. Ça fait des dégâts, ça fait beaucoup de dégâts. Point poison, ça c'est cool. Ça c'est très 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 cool. On va pouvoir pas mal se soigner, j'imagine. Volvi. En fait là le problème c'est qu'on rate pas mal d'attaques. On perd pas mal d'attaques genre méga sans suite tout. Je sais pas si on va pouvoir la prendre quand il va évoluer. Donc c'est un peu triste. Ok. Prochain tour il est KO. S'il me met pas un critique, il est KO. Ouais c'est bon. Et moi ça va, j'ai récupéré.
balayette. Aïe, ça c'est fort toi. Non, non c'est bon. Ouais, c'est voilà. Critique, c'était obligé, hein, le critique. A plus, Machoc. Bon, on va voir se refaire sur des racailloux, hein, parce que plus beaucoup de PV là. Et le gars qui passe le niveau 24. Le gars qui rejoint du coup la trinité, hein, des niveaux 24 avec Chiki et Patwail. Ouais, on peut pas y aller, ok. Et là-haut? Et là-haut, ok. Racaillou? Yes, on va pouvoir récupérer nos PV. Volvi. Je veux languir d'avoir méga sensuel. Voilà, ça va. On va être. On va se remettre à 40 à peu près. 33. Pas mal. Vraiment va falloir qu'il évolue par contre Lily parce que. Bah voilà quoi. C'est pas. Pas cool. Moi, je veux... Non 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 non, je vais déclencher une cinématique. Non, c'est bon. Ouf. J'ai eu peur. Parce que j'ai pas trop envie de déclencher une cinématique. Ok. Ça c'est bon. Merci Kenotor. J'aurais bien aimé avoir un racaillou dans le rocher. Ça aurait pu être pratique. Non, d'accord. Et pas de Pokémon? Ah là il y a Escalade. C'est vrai qu'il y avait 7 CT. TS, j'ai oublié. Mais ils sont les Pokémon. Ah voilà. Alors pas de Machoc. Medichika, c'est pareil, pas de Medichika non plus. C'est trop violent. Bon au moins c'est rencontré. De toute façon, on va le rencontrer dans pas longtemps en troisième arène. On prend la fuite, bien sûr. Nous, on cherche. Vous l'ai dit. J'ai acheté aussi pas mal de Pokéball. Hein. J'ai acheté pour 100 Pokéball, je crois. Ou 110, un truc comme ça. Allez. Corillon. Incroyable. Ouais, c'est un Pokémon psy, c'est pas. Pas bon. Moi il me faut des Pokémon Roche. Histoire de pouvoir soigner et faire des combats avec Rose Bouton. Ok bon on va abandonner, c'est pas grave. Moi, je regardais ça hors caméra en fait. Hein. En fait le truc c'est qu'il faudrait que j'aille jusqu'à la troisième arène pour voir le bonheur. Je crois que c'est la troisième arène pour voir le bonheur de Rose Bouton. Et je pense que d'ici la troisième arène il aura évolué. Parce que c'est long pour aller à la troisième arène. Donc à voir. Bonjour monsieur. Vous avez des Pokémon combat Rush, j'espère. Désirez le montagnard. Racaillou, s'il te plaît. Oui. Racaillou, tu prends cher. Lily, à toi de jouer. Regardez-moi ce beau gosse. Volvi. Je le tue pas. Ah si, je le tue. Je le tue. 55 PV, 53. Bien. Bon, on a récupéré nos PV. On est tranquille. Le truc, c'est qu'on n'aime pas plus XP que ça en plus. Avec ces racaillous. Pourtant, ils sont assez bons niveau. Mais pas assez quoi. Aucun cas fermeté, c'est parfait. Je n'ai que cette attaque Volvi. Donc, ça serait bête de dépenser des PP pour un PV quoi. Allez, à plus désirer le montagnard. Ce fut un plaisir. Un réel. Ok, désolé pour la petite ellipse. Ok, donc il a un Onyx, ça c'est super cool le Onyx. Ça va nous permettre de récupérer pas mal de, d'XP. Ah, il a fermé celui-là. Ah non, pas du tout, c'est juste j'ai pas fait assez de dégâts. Il nous fait étreindre, très bien. Empoison, bon il... Ça aura pas duré longtemps. Le combat aura été courté quoi. Un tour. Quand même un tour. L'étreinte n'aurait pas dû être faite. Monsieur, vous avez fait des bêtises en faisant une étreinte. Raoul, le montagnard. Allez. Ça, c'est plié, on n'en parle plus. On va vite fait détruire le bloc, récupérer l'objet ici même. On a une Pokéball. Ça va. C'est comme si j'en avais pas beaucoup. Hop.
Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme Pokémon? Medijika. Je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas. Moi, je veux les dresseurs. Je veux les dresseurs, je veux avancer dans l'histoire. Dans la fuite. Mais je me souviens très bien de cet endroit. Je me souviens très bien de cet endroit. C'est faux, je me rappelle plus. Enfin, si, je me rappelle, mais je sais plus ce qu'il y avait. Je crois que c'est ici où on nous donne des baies tous les jours. Mais je suis pas sûr, à vérifier. Ok, alors. Tac. Ouais, voilà, ça, c'est le maître des baies. J'ai une baie grenat, incroyable. Je me rappelle, il y avait ça aussi dans la troisième génération. Ok, et donc là on peut acheter des... C'est incroyable. C'est moi où je... Non, elle se déplace toute seule, ok. Ok, ok. Ah, petit dresseur. Est-ce que tu n'aurais pas un Kelurior vu que tu es un peintre? Et que les peintres, en général, ils ont des Kelurior. Achille, l'artiste, veut se battre. Mime Junior. Ok. Enfin, un père entre ça alors. Croissance. On va le faire deux fois, je pense, ça serait pas mal. Sauf s'il nous fait une copie, et là ça va être très drôle. Imitation, j'en étais sûr. Ah non, filtre. En poison, ok. Ça tombe bien, nous on attaque en spécial, on attaque pas en physique. Photocopie, voilà. Il disait bien qu'il allait me copier un moment. Ah, c'est bâtard ça. Photocopie, c'est vraiment pas cool. Volvi. Vous êtes un mauvais artiste, monsieur, si vous copiez tout le temps vos adversaires. C'est pas bien le plagiat. Hein. J'accuse et je dénonce le plagiat. Bah, là, il me fait un Volvi du coup. Oh le bâtard. Heureusement que ça me fait pas de dégâts moi. Heureusement que ça me fait pas de dégâts. Hop. Ouais, il se régène pas mal de PV je trouve sur sa barre hein, par rapport à... aux dégâts qu'il m'a causé. Encore. Bah pas de soucis, je vais faire encore une fois Volvi. C'est pas comme si je pouvais faire autre chose que Volvi. Mais pas de soucis. Aucun problème, vraiment. C'est cadeau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Manzai. Oh, lui va prendre cher. Il va prendre cher, il va se faire démonter. Volvi. La fermeté. Ah non, il est juste tanky. Photocopie à nouveau. Ok. Pareil, ça va pas me faire beaucoup de dégâts, Manzai. Hein. T'es en roche. Plante. Régène 1 PV, ok. Moi derrière tu m'en as fait perdre 1 donc je vais en régène aussi. Et voilà. J'adore les bébés Pokémon de la 4ème génération parce que Manzai et Mime Junior sont de la 4ème génération si je dis pas de bêtises. Je les kiffe de ouf. Manzai est trop mimes et il me rappelle justement Pierre dans l'anime Pokémon. Au revoir Achille. Et arrêtez de plager s'il vous plaît. C'est pas bien de plager. Non mais... Karate Kid, ok. Je ferai ça hors caméra, je pense. Bonjour madame. Bonjour. Ok. Allez, qu'est-ce qui se passe? Oh, un lap oreille. Oh, heureusement que tu étais là. Sans toi, mon lap oreille se sera enfui. Allez, petit lap oreille, rends dans ta Pokéball, s'il te plaît. Je m'appelle Karine, je suis l'une des juges du Super Show Concours. Passe à la salle de concours, je te remercierai comme il se doit. Allez. C'est Jipper. Nous sommes arrivés, hein, du coup, ça y est, à Union Police. On va vite fait... Ah non, c'est pas là. Lui, il donne un œuf. Bonjour, monsieur. Non, c'est gentil, merci. Non, mais c'est... Vous voyez qu'il le prend mal, quoi. Ok. Ça c'est quoi ici? Ah oui c'est vrai, il y a les pauvres. On va aller aux pauvres dans un premier temps.
va lui faire notre premier pot fin. Bonjour madame. Ok. Ok. Bon, pas les pots fins encore. Je pense que ça doit être plus tard. Je me rappelle plus où est-ce qu'on a la boîte à pots fins. On va soigner nos Pokémon. Oh, il y a le parc. Il y a le parc pour avoir les Pokémon qui nous suivent. Ça, c'est incroyable. Minneapolis, c'est vraiment une très 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 belle ville. Tututing. Allez. Ça, c'est soigné. On va aller vite fait au parc. Pour que les Pokémon nous suivent. Tac. Je crois que c'est ici. Hein. Je vais me promener. Pourquoi ? Pourquoi ? D'accord. Donc ici, il y a plein de... Il y a des objets et tout, c'est trop bien. Oh, change éclair, pas mal. Pas mal. J'aime beaucoup. Je crois qu'il y en avait un en haut aussi. Pas qu'un, apparemment. Pièce rune, ok. Trop bien. Oui, c'est vrai qu'ils sont comptés comme étant entités. Alors, excusez-moi, monsieur. Merci. Excusez-moi, Chiki. Ikota. Merci. Tac. Voilà. On va sortir par là du coup. Alors moi je veux voir. Attends. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, c'est parce que c'était le tuto. Ok. Ok. Donc équipe. Lily. Oh. Attends. Pokémon mignon, c'est ça que tu dis? Doux. Doux, rose bouton et pas mignon. Je suis vexé, vraiment. Rose bouton n'est pas mignon. Rose bouton n'est pas mignon. Voilà. Comment ça tu me dévisages, Riro? Ok, allez viens. T'es un peu mon bro, donc Salut beau gosse. Belle gosse, pardon. Oh, je suis so sorry. Vraiment, je ne sais plus où me mettre. Tu comptes participer au Super Concours Show? Tu vas voir, ça va être fun, hihi. Il s'avère que Kimera, la championne d'Iron Junior Police, est aussi une pro du Super Show Concours. Je sais de quoi je parle, parce que c'est moi, Kimera. Oui, it's me. Tu veux me défier? Why not? Mais d'abord, tu dois devenir plus fort. Au revoir, Kimera. Merci. Elle parle vraiment comme ça dans l'anime, pour ceux qui n'ont pas connu. Je vous invite à regarder. Oh la madre. Ah, te voilà, parfait. Senpai, tout va bien, mon loulou? Attends, non, ce n'est pas possible. Ingrid est ta maman? Mais alors, tu dois connaître le super show concours du bout des doigts. Oh, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé du super concours show à Zandpil. Je ne savais même pas que vous vous connaissiez. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Je te remercie pour tout à l'heure. Prends ceci. Un saut sortilier, je sais. Ok. Ça donne de me voir ici, mon loulou. Je m'ennuie, alors j'ai décidé de venir m'amuser à Union Police, mais je ne m'attendais pas du tout à te croiser. Par contre, si tu comptes vraiment participer au... Tu dois changer ta tenue. Ouais. Ouais. Oh là 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 là. Allez. C'est plié, on n'en parle plus, on ira plus tard, bien sûr, je pense dans le post-game. Contrôle. On va pas très vite, hein. Donc voilà. Bon. Écoutez, nous sommes allés à Union Police.
Je vais vite aller voir ça. Parce qu'il faut que je fasse quoi là? Voir la carte. Visiter Union Police. Ok. Je vais juste visiter Union Police. Ma foi, pourquoi pas. On va aller voir le club Pokémon, bien sûr. Bonjour monsieur. Ah vrai. Ok. Merci pour la boîte à Poffin. Ça c'est cool. Que je voulais. Voilà. Ok. Eh bien écoutez les amis, je vous remercie énormément pour cette pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce en l'air, à me dire ce que vous avez apprécié. Où est-ce que vous en êtes vous dans le jeu? Est-ce que vous avez tracé comme jamais? Ou est-ce que vous prenez votre temps? N'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine. Peace. Ciao tout le monde.